Bonjour tout le monde, Ridouane ERGC, bienvenue sur la chaîne ERGC. Dans la vidéo d'aujourd'hui, donc on va essayer de voir deux choses. Comment enlever en fait le capot avant et arrière d'une PS5, histoire de faire un nettoyage poussière, voilà, à l'intérieur de la PS5. Et la deuxième chose, donc on va profiter une fois on a fait ce démontage, on changera. Je vais vous montrer comment la démonter entièrement et comment changer en fait un port HDMI. Ben, le client m'a déposé le produit. Donc comme on voit ici, hop, le port HDMI, il est vraiment défectueux. Voilà, comme vous voyez ici, il est enfoncé à l'intérieur. Donc voilà, donc pour démonter la PS5, c'est tout simple. Donc voilà, donc vous avez ici le logo PS. Donc vous allez faire ça, vous allez l'incliner un petit peu. Et vous savez, voilà, vous faites ça, hop, et ça s'enlève tout seul. Si vous faites du karaté, vous avez juste à faire ça. Voilà. Donc voilà, comme vous voyez ici, donc on a accès au ventilateur. Donc soit on fait un nettoyage avec une bombe à air sec ou un petit compresseur, si vous avez ça à la maison. Voilà, c'est le moment, vous profitez, vous nettoyez la zone. Donc maintenant, on va voir ensemble comment démonter le côté gauche. Pour ce côté, on va l'incliner comme ça. Donc on va essayer. Donc on tire un peu vers le haut. Hop. On fait la même chose. Toujours karaté, shotoïké, et ça part tout seul. Donc voilà, on a enlevé le deuxième. Donc vous voyez ici, on a quand même beaucoup de poussière sur l'autre côté du ventilateur. Donc pareil, si vous voulez juste faire un nettoyage poussière, voilà, pour l'entretenir, pour qu'elle chauffe moins et dure longtemps. Donc ça, c'est pour la première partie, d'accord? Donc maintenant, je vais vous montrer comment désosser complètement la PS5, récupérer la carte mère et faire le changement du port HDMI. Ça se passe ici et maintenant. À tout de suite.
passer au microscope. Donc là, on met un peu de flux. Donc moi, je chauffe à 500 pour enlever le pH d'EMI. Donc là, on a enlevé le pH d'EMI, on va remettre le nouveau. Donc après avoir changé le pH d'EMI, donc on va remonter tout ça comme c'était avant. Voilà les amis, donc après avoir changé le pH d'EMI, donc là on fait le test. Donc là elle fonctionne très bien. Donc j'espère que cette vidéo elle vous a vraiment plu. N'hésitez pas à liker notre chaîne et de partager nos vidéos. Voilà. Merci à vous et je vous dis à la prochaine vidéo. À bientôt. Au revoir.